Ce matin, à Paris, le chef de l'État a reçu en audience plusieurs personnalités françaises, dont les candidats à la présidentielle française qui aura lieu dans exactement 5 semaines. Après Nicolas Sarkozy, François Bayrou et De Villepin sont allés recueillir avis et conseils du doyen des chefs d'État d'Afrique centrale. Ouais. Il s'en est pourtant fallu de peu. Il s'agit du Premier ministre Dominique de Villepin. D'abord, l'entrevue, c'est le plaisir de revoir le président Bongo. Vous connaissez les liens très profonds d'amitié entre le président Chirac et le président Bongo, les liens avec la France, qui sont des liens très anciens, et c'est l'occasion de faire un point sur les grands dossiers africains, les dossiers entre la France et le Gabon, et puis les grandes situations de crise. La sagesse du président Bongo est toujours importante pour la diplomatie française, et aujourd'hui, dans la situation du Darfour, la situation plutôt favorable de la Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup de dossiers qui sont sur la table. Puis en ce qui concerne l'avenir, en tout état de cause, c'est une profonde fidélité à l'Afrique, une profonde fidélité à mon engagement vis-à-vis de ce continent. Je suis né en Afrique, donc c'est défendre la paix, défendre la justice, quoi qu'il arrive et en toutes circonstances. C'est dans la nuit.